Alors, l'Annapurna, c'est un sommet qui est cher au cœur des alpinistes et en particulier des Français depuis ça a été le premier 8000 gravi en 1950. Et il se trouve que ça a été aussi le 8000 où ont été franchies toutes les grandes étapes de l'alpinisme en Himalaya. Première grande paroi gravie, première grande paroi gravie en style alpin et peut-être première grande paroi gravie en solitaire. Donc, c'est une montagne emblématique et c'est une montagne magnifique d'abord, qui reste assez peu gravie parce que elle est très dangereuse sur son versant nord et très difficile sur son versant sud. Et ce qui fait que les ascensions ont une intensité, une densité qu'on a peut-être perdu à l'Everest, où l'alpinisme s'est énormément banalisé sur les 8000 dits commerciaux. L'Annapurna, c'est resté une montagne où il se joue des choses, un 8000, où il se joue des choses très intenses. Voilà, donc j'ai essayé de raconter comment il se joue des choses intenses humainement à toutes les générations, à toutes les époques, depuis que cette montagne a été découverte en 1950. Alors, ça démarre en 1950. Par la découverte, c'est vraiment une découverte, c'est de l'exploration. Là, on plonge dans l'inconnu avec l'expédition des Français de Maurice Herzog et ses compagnons. C'est le Népal, il faut se remettre ça en tête. Le Népal, en 1950, c'est un pays totalement fermé qui n'a été ouvert aux Occidentaux qu'un tout petit peu à partir de 48-49. Il y a eu une ou deux expéditions, mais où l'alpinisme était interdit. Bill Tillman, en 49, a une petite incursion dans l'est du Népal pour grimper un tout petit peu. Mais voilà, en gros, on arrive sur cette montagne, personne n'a jamais vue de près, personne ne sait comment elle est faite, et il faut l'explorer. Et cette dimension-là, on l'a un petit peu perdue de vue parce que la tragédie de la première ascension de l'Annapurna, la tragédie de la descente, et des blessures des premiers ascensionnistes, hein, de Herzog qui perd ses doigts et Lachenal qui perd ses pieds. C'est tellement fort et tellement émouvant qu'on a finalement retenu essentiellement cet aspect-là de la première ascension. Et on a oublié toute cette exploration qui était assez formidable. Pour le raconter, j'ai été rechercher toutes les sources, c'est-à-dire que j'ai essayé de faire un récit choral avec plusieurs voix, où on entend à la fois la version de Maurice Herzog, qui est très connue parce que son récit Annapurna 8000 a été un best-seller, mais qu'on entende aussi la version de Lachenal, qui est connue grâce à Michel Guérin, parce que Michel a publié, c'était son deuxième livre, ses carnets du vertige, dans lequel il y avait son journal de l'Annapurna non expurgé et ses commentaires. Donc le premier vrai texte écrit par Louis Lachenal sur ce qu'il avait vécu à l'Annapurna. Et j'ai ajouté un troisième ingrédient qui est très important pour moi, qui est le récit de Hang Tarkhe, qui était le sirdar de l'expédition, et qui donne le point de vue des Sherpas dans cette expédition. Et ça, pour moi, c'était super important parce que on s'est d'abord focalisé sur le récit d'Herzog, qui allait bien avec son époque conquérante, qui avait énormément de succès parce que c'était la fin de la colonisation. Ça avait encore du sens d'aller planter des drapeaux et de risquer sa vie pour aller planter des drapeaux quelque part. Ensuite, on s'est passionné pour la version de Lachenal, qui était, à mon sens, beaucoup plus moderne, qui était un contrepoint d'alpiniste à cette version-là. Et ce qu'on a un peu oublié, y compris dans cette dernière étape de découverte, où on s'était réintéressé au récit de Lachenal, on a oublié les Sherpas, qui ont joué un rôle absolument capital dans cette ascension. Un exemple de ce que j'ai réussi à retrouver en lisant de très près le récit d'Herzog. Herzog a une vision, on peut le dire maintenant, enfin c'est de son temps, mais il a une vision raciste de ces petits hommes jaunes qui l'accompagnent, qui sont, alors tous les qualificatifs y passent, ils peuvent être braves, ils peuvent être courageux, peuvent être valeureux, mais ils sont quand même au service des Blancs et à l'occasion, si on peut leur donner des petits coups de patte pour expliquer qu'ils sont un peu alcoolos, pas très organisés, on s'en prive pas.
Ce qui fait que l'ascension racontée par Herzog reste une ascension de blancs conquérants qui ont à leur service des Sherpas. Quand on regarde ce qu'ont fait les Sherpas dans cette première ascension, on s'aperçoit qu'il y en a, donc ils sont assez peu nombreux, il y a 8 Sherpas pour l'expédition, c'est-à-dire qu'ils sont le même nombre que les Occidentaux. Il y a une scène qui est exactement la symétrique de celle qui se passe le 3 juin 1950 entre Lachenal et Herzog. Herzog dit « Je veux continuer vers le sommet ». Lachenal dit « Je sens que mes pieds gèlent ». Et il accepte de continuer parce qu'il a l'esprit de cordée et qu'il veut accompagner Herzog. La même scène s'est produite la veille où Herzog a proposé à Antarquet de venir avec eux au sommet. Et Antarquet a dit non, j'ai les pieds qui gèlent et je ne veux pas risquer mes pieds. C'est une réaction absolument humaine et logique et absolument compréhensible. Elle n'est pas du tout restituée à sa juste valeur dans les récits de l'époque. Et le pire, il faut vraiment décrypter ce qui a été écrit au nom d'Antarquet, parce qu'au nom d'Antarquet, il y a un journaliste américain qui a recueilli ses mémoires dans les années 50 et qui lui a fait écrire qu'il n'était qu'un pleutre sans courage et que vraiment ses sahibs étaient des gens formidables pour oser aller affronter le sommet et que lui-même ne méritait que mépris pour n'avoir pas osé aller au sommet. Et en fait, c'est un regard extrêmement méprisant sur ce Sirdar qui a été formidable, qui a joué un rôle énorme, qui a fait des porter des charges jusqu'à 7005 pour Herzog, Lachenal, à moindre titre pour Rebuffat et Terray qui suivaient derrière. Et ce qu'on oublie aussi énormément dans les récits d'Herzog, c'est que pratiquement tous les Sherpas de cette expédition de 1950 était super expérimenté. Antarquet, il était monté à 8003 à l'Everest. Il avait installé un camp 8 à 8003 à l'Everest. Futarquet était au Nanga Parbat avec les Allemands quand il y a eu une ascension désastreuse avec une série de catastrophes où de nombreux Sherpas étaient morts et des alpinistes allemands. Futarquet était présent et a joué un rôle très important. Et donc tous ces alpinistes, je dis bien alpinistes très expérimentés que sont déjà les Sherpas, alors ils sont moins bons techniciens, ils ne sont pas super bons techniciens en glace, mais ils ont l'expérience de l'altitude, ils connaissent leur montagne, et ce qu'ils n'ont pas, c'est la passion et le désir de conquête, au point de risquer ses pieds ou ses mains. Mais c'est, voilà, il faut rétablir le rôle énorme qu'ils ont joué, et rétablir une fois pour toutes que Futarquet, dont Herzog se moque de façon mais qui me fait honte dans son bouquin, Un imprimeur pour les 8000, Futarquet, il monte en 5 jours de Tokucha à 7000 où Herzog est en train d'installer le camp 4. Il monte avec des charges qui font 40 kilos sans prendre une seule journée de repos. Quand il arrive à 7000, il coule une bielle, il fait probablement un mam et il est épuisé. Au lieu de dire on va t'aider, ce qui est quand même la réaction humaine de base, Herzog se moque de lui en disant c'est un affabulateur, il a dû picoler de l'alcool à brûler. Il trouve toutes les raisons pour se moquer de lui. Et une fois qu'il a compris que non, vraiment, il était effondré dans sa tente et qu'il était incapable de se relever, qu'il fallait l'aider à descendre, il n'y a plus un mot sur lui, il l'intéresse plus. Donc voilà ce que j'essaie de reconstituer en croisant les différents récits, des choses qui existaient et qui, dans des témoignages écrits qui existaient, le journal écrit de Lachenal, le témoignage d'Antarquet enregistré par un journaliste américain et le récit de Maurice Herzog. À chaque époque, à chaque grande étape, j'ai essayé de retrouver cette vision un peu en relief, cette vision chorale avec plusieurs témoignages. Sans m'arrêter à toutes les étapes, il y en a une que j'ai trouvée particulièrement... je suis assez content du relief que j'ai réussi à donner à l'ascension, qui est la première ascension de la fassue de l'Annapurna en style alpin,
en 1984 par deux très jeunes Catalans, 23 et 26 ans, Nil Boigas et Enric Lucas. Et j'ai été voir Enric Lucas, qui parle très peu, qui donne très très peu d'interviews depuis de nombreuses années. Il a accepté de me recevoir chez lui en Catalogne et me raconter cet état d'esprit incroyable dans lequel étaient ces deux jeunes alpinistes qui étaient assez peu expérimentés. Ils avaient quand même l'expérience, avant de se frotter à la façade de l'Annapurna, d'être montés à l'Everest jusqu'à 8003 sur la voie normale de l'arête nord et d'avoir survécu à plusieurs jours de tempête avec une petite tente dont ils ont vite perdu les arceaux et ils ont compris qu'en fait ils pouvaient se passer d'arceaux dans une tente et survivre assez bien à 8000. Donc ils avaient une expérience par ce biais-là, mais ils avaient très peu. Et ils avaient grimpé au Pakistan sur une très grande voie rocheuse qu'ils avaient ouverte en 3 semaines. Mais c'était évidemment la première, parce qu'il n'y avait jamais eu ce genre d'ascension avant, sinon avec René Ghilini et Alex McIntyre, mais l'année précédente, enfin 2 ans avant. Mais ça, c'était mal terminé. Lucas et Boigas se présentent au pied de la façade de l'Annapurna sans aucune expérience de ce que peut être une ascension en style alpin dans une grande paroi himalayenne. Voilà. Personne ne sait ce que ça peut être. Ils se lancent, ils y passent de mémoire 6 jours ou 7 jours pour l'ascension et une journée entière pour la descente. Et c'est un récit assez incroyable pour moi, d'audace, de ténacité d'allant, quoi. Une façon de se jeter là-dedans incroyable. Et donc c'était formidable d'entendre Lucas parler de ça longtemps après, mais de façon toujours aussi vivante. Et pour compléter ce récit, il se trouve qu'il y a souvent des coïncidences dans les grandes histoires d'alpinisme. Et là, la coïncidence, c'est qu'au pied de la montagne, il y a le camp de base des Catalans. 10 minutes au-dessus, il y a les Suisses qui ont installé leur camp de base. Et dans ce camp de base, il y a notamment Erard Loretan et Norbert Jos. Erard Loretan, j'ai fait sa biographie, j'ai eu accès à ses carnets. Et donc, pour raconter l'ascension des Catalans, je peux raconter non seulement ce qui se passe dans la paroi, mais aussi ce qui se passe au camp de base. Parce que du camp de base, il y a les Suisses qui ont une lunette d'approche, qui l'ont prêtée aux deux compagnes, non plutôt c'est les deux compagnes des Catalans, qui suivent l'ascension, qui viennent dans le camp de base des Suisses pour regarder ce qui se passe dans la paroi. Et donc, il y a un dialogue à la radio, puisqu'ils ont une petite radio comme dans ce qu'ils ont emporté, un dialogue qui se noue tous les soirs entre le camp de base et les deux jeunes alpinistes engagés dans la paroi. Et témoin de ce dialogue, par son journal, Erard Loretan, qui quelques jours après va réussir une extraordinaire traversée, la première traversée de l'Annapurna par la très longue arête est, et donc traversée qui réussit avec Norbert Jos en style alpin à partir de, en gros, 7000 mètres d'altitude. C'est-à-dire que la paroi est équipée jusqu'à 7000, et ensuite il se lance dans une immense traversée avec juste une petite tente de bivouac, et de nouveau, c'est un récit extraordinaire. Pour terminer ce chapitre sur le style alpin, je reprends le récit de Reinhold Messner de son ascension de la face sud-est avec Camerlander, qui magnifie la notion de risque à coller à ces ascensions en style alpin. Alors, Bégin-Lafaille, c'est devenu le nom. Les noms de voies, ça s'établit comme ça, petit à petit. Dans la face sud, pratiquement à l'aplomb du sommet, il y a une ligne qu'on tentait pour la première fois Jean-Christophe Lafaille et Pierre Bégin en 1992, c'est bien ça, et qui s'est terminée tragiquement par la mort de Pierre Bégin. Cette tentative, elle a été racontée très longuement par Jean-Christophe Lafaille dans un livre qui s'appelle Prisonnier de l'Annapurna, qui a été publié chez Guérin. Donc c'est une histoire de survie absolument incroyable, quoi, que Jean-Christophe ait réussi à se sortir de cette descente tout seul, alors qu'il a Pierre Bégin tombe quand son
L'ancrage de rappel cède d'un seul coup et tombe avec le rappel, avec tout le matériel, et Jean-Christophe se retrouve seul avec, par miracle, deux piolets, parce que au moment de partir sur le rappel, Pierre Bégin lui a tendu son piolet, espèce de geste qui le sauvait. Et ce récit-là a été fait. En revanche, ce qui n'avait pas été raconté, c'est la destinée de ce qui va devenir cette voie Bégin-Lafaille, où il y a eu d'autres tentatives dramatiques, puisqu'il y a trois Coréens qui ont disparu en essayant de la répéter, un Slovène qui a fait demi-tour, et Uli Steck qui s'y présente en solitaire en 2007 et qui fait une chute, qui revient en 2008. En 2008, il est obligé d'interrompre sa tentative pour se porter au secours d'un Espagnol, Iñaki Ochoa, qui est bloqué sur le très haut, sur l'arête Est. Et finalement, on se retrouve en 2013 sur cette voie qui a pris une dimension un petit peu mythique parce qu'elle a été beaucoup tentée, jamais réussie et marquée par un grand nombre de drames. Et donc, en 2013, il y a cette coïncidence assez incroyable où, coup sur coup, Uli Steck s'y présente en solitaire, réussit l'ascension. Il affirme qu'il réussit l'ascension, ça a été mis en doute, il a dit lui-même que ça avait été mis en doute. On ne saura peut-être jamais si il a vraiment réussi cette ascension, mais si ça a été, s'il l'a vraiment réussi, c'est probablement la plus belle ascension de tous les temps dans l'Himalaya. Et je crois deux semaines après, enfin en tout cas moins de deux semaines après, Yannick Graziani et Stéphane Benoît s'engagent dans la voie et la réussissent. Et moi, j'ai tenu à ce que cette ascension extraordinaire de Yannick et Stéphane soit racontée dans le détail et qu'on entende leur voix. Parce que ce qui s'est passé, c'est que l'ascension de Uli est devenue une espèce de passion pour beaucoup d'alpinistes qui se demandent est-ce que oui ou non il a réussi. Donc tout le monde discutait de savoir si est-ce que Uli avait réussi cette voie. Et tout le monde venait voir Yannick et Stéphane en leur demandant alors ils ont réussi ou pas. Et finalement, personne ne pensait à leur demander mais vous, qu'est-ce que vous avez vécu? Donc moi, ça m'a semblé très important de les écouter l'un après l'autre, parce que leur petite musique n'est pas tout à fait la même, qu'on puisse entendre leurs deux petites musiques et comprendre à quel point ils ont réussi quelque chose de magnifique, de très. Qui reste assez incroyable dans ce qui se fait aujourd'hui dans l'Himalaya. Ça reste une très très belle réalisation, il faut les entendre. Et j'ai tenu voilà, à ce qu'on prenne le temps de les entendre. La dernière dimension peut-être de ce que j'ai fait pour écrire ce livre, parce que je voulais donc recueillir le plus possible les témoignages d'alpinistes qui vont dans ces zones où je n'irai pas, parce que c'est voilà, beaucoup trop risqué. Je n'ai pas du tout ni le talent ni l'envie d'aller me risquer dans ces endroits-là, donc je dois écouter ceux qui en reviennent. En revanche, j'ai tenu à aller là où je peux aller moi, c'est-à-dire aller voir de visu les camps de base, essayer d'aller à la rencontre des gens qui vivent au pied de cette montagne, les Sherpas, de comprendre ce qu'ils vivent, ce que représente cette montagne pour eux, pourquoi est-ce qu'il y a souvent des superstitions ou une dimension spirituelle très forte attachée à ces montagnes, des interdits, des tabous. Voilà. J'essaie de donner de la place à cette dimension de la montagne, d'aller voir Muktinath, qui est un lieu de pèlerinage plurimillénaire, qui est depuis très très longtemps un lieu de pèlerinage hindouiste et bouddhiste, qui est au nord de la montagne. Et voilà, m'imprégner un peu de tous ces lieux pour qu'on puisse sentir aussi que l'Annapurna, c'est un peu ce monde. Il y a un chapitre que j'appelle un autre monde. Hein, la première fois que Lachenal et Herzog pénètrent dans cette zone, sur le glacier de la Fossile, en très haute altitude, on comprend qu'on y vit des choses un peu hors du monde. Mais en même temps, c'est une montagne qui a les pieds sur terre, qui a des racines dans des régions habitées. Et voilà, j'ai eu envie d'aller voir dans ces régions-là comment on voyait cette montagne un peu invisible, hein, il y a peu d'endroits où on peut la voir, mais elle est quand même présente et je voulais savoir comment elle était présente dans l'esprit des gens au pied de la montagne.